invitée au micro de Philippe Vandel sur Europe 1, Charlotte de Turquin est revenue sur son idylle avec Jean-Christophe Cambadélis. La comédienne se souvient avoir été très amoureuse de cet homme, qu'elle qualifie de bombasse. C'était plus qu'une bombasse. Invitée dans l'émission Ceci dit de Philippe Vandel, dimanche 29 octobre, Charlotte de Turquin n'a rien caché de la passion qui l'unissait à Jean-Christophe Cambadélis. Ces deux-là se sont fréquentés, il y a une quarantaine d'années, dans les années 70. La comédienne en était très amoureuse, confie-t-elle au micro d'Europe 1. « J'ai adoré cet homme-là », raconte celle qui remonte sur les planches à l'occasion de son spectacle « Revisiter une journée chez ma mère ». Elle se souvient, c'était plus qu'une bombasse, c'était l'un des plus beaux mecs que j'ai jamais vu de ma vie. C'était une bombe. Mais ça se voit encore, je trouve. Il est un peu vieilli, un peu grossi, mais on voit quand même que ça a été un très très bel homme. Ce n'est pas que ça a été un très bel homme, ça a été une bombe. Aussi passionné fut le deal avec celui qui deviendra plus tard premier secrétaire du Parti Socialiste, la rupture a été brutale et sans ménagement. Aujourd'hui amusée, Charlotte de Turquin évoque une réunion trotskiste, où comptait se rendre Jean-Christophe Cambadélis. Il était très trotskiste à l'époque. Et au dernier moment, il s'est dit que ce n'était pas possible d'emmener une fille qui s'appelait Anne-Charlotte de Turquin. C'est dans le RER que l'ancien premier secrétaire du PS largue alors sa petite amie.